Il y a des anciens professeurs, donc fermant demi les yeux, donc il explique, il dit que le monde islamique traîne dans la misère ainsi, il ne donne pas d'argent. Mais arrête le fait de ne pas donner de l'argent, de toute manière la personne te tue, il connaît ta situation. Si tu as assez de force, donc crée une civilisation, crée la qualité, crée la force et arrête cette oppression. Et quelle est la signification de pleurer jour et nuit? Il pleure tranquillement. Et les autres Hoja, les autres Cheikh également pleurent tranquillement. Et l'autre dit, de toute manière il n'y a rien, donc il n'y a aucun problème. Et là, donc la femme... Et donc, il dit, de manière, ils ne sont pas venus chez nous, donc il n'y a pas de problème chez nous, dit-il. Et donc, il l'apprécie beaucoup, donc ils disent qu'il parle très bien. Et le soir, donc, il parle. Est-ce que donc on peut mettre du beurre de cacahuète sur la nuque? Et quand on la lave notre nez, est-ce qu'on va le prendre par la narine droite ou gauche? Mais le monde islamique est donc dans la misère, dévasté, le sang coule à flot. Et comme il ne parle, de la manière qu'il ne parle pas d'un seul mot de cela, donc avec une très grande tranquillité, comment est-ce qu'on donc peigne les sourcils, comment on se gratte les oreilles, des milliers de détails. Et il parle de cela donc tranquillement. Et je regarde les autres chaînes, et donc il y a un léger sourire sur le visage, il se donne un air de cheikh, d'imam donc lumineux. Une apparence donc sur leur visage comme des gens du paradis, bien sûr selon leur mentalité à eux. Et pour donner cela donc l'image d'un cheikh lumineux, il y a besoin de cela et constamment des détails. Qu'est-ce que le concombre? Qu'est-ce que la carotte? Est-ce que c'est une sunna de manger la carotte ou pas? Mais mon frère, regardez, on tue des gens, on tue des enfants, et si elle était remue, et la philosophie darwinisme matérialiste a enveloppé la terre, et en Turquie, de manière officielle, donc on parle du darwinisme, le gouvernement n'arrive pas à faire face, et on dit que Dieu n'existe pas dans le livre de l'État, et toi, tu t'es assis avec de manière, ta voix aiguë. Est-ce que la carotte est une sunna? Est-ce que les haricots sont une sunna? Mais quelle tranquillité comme cela. Et il y a une situation misérable, pitoyable, et ils font comme s'ils ne voyaient pas cela. Et ils regardent, et les personnes écoutent en mangeant les pépites, et ils disent comme ils parlent bien. Et pour qu'ils puissent s'apercevoir de cela, il faut parler de manière détaillée. Ce n'est pas, donc, ils ne vont pas comprendre en une, deux fois ou dix fois. Et l'orgueil, donc, des chairs, cela augmente. Et quand ils expliquent en détail, cela donne de l'enthousiasme. Et il dit, mais regarde la science chez cette personne. Mais donc des détails incroyables. Et l'eau de l'ablution, donc quand tu le mets dans le creux de ta main, et donc comment est-ce que cela doit couler entre tes doigts. Et il parle de cela longuement, dans quelle école juridique c'est comment. Est-ce que l'eau doit venir par en haut ou par en bas? Mais entre-temps, donc quand il dit cela, les enfants sont encore tués, les femmes sont encore tuées, et ils expliquent cela avec une tranquillité incroyable. Et leur donc discours réunions-les tous et faisons de cela un livre, et mettons en avant leur tranquillité. Et beaucoup de leurs discours sont diffusés, c'est presque sur Internet. Et il faut déchiffrer cela, dans quel point donc il donne importance, quelle est la signification, dans quelle situation est l'islam et eux, comment, de quoi ils parlent. Et les gens les regardent la bouche ouverte, et en particulier les professeurs de religion, donc d'université de religion, ils sont très orgueilleux, et lui est plus orgueilleux que lui et vice-versa. Chacun se voit comme un pôle religieux du monde, et chez eux, il y a des détails incroyables. Ce sont les hommes des détails, ils parlent, cela ne finit pas. Et certes, il a appris par cœur. Et les choses futiles, ils ont donné donc leur attention à tout cela. Et toute sa vie est passée en s'affairant avec des choses vaines. Mais lave ton visage, lave-le comme tu le veux. L'eau va, est-ce qu'il va venir d'en haut, d'en bas, du côté, quel est le rapport? Et M. Adam, vous dans la religion, et il les apprécie beaucoup. Et regarde, bon, pour changer, donc même pour changer leurs études, donc il est utile de rappeler au moins même une fois leur faute.